Immigration, Sala B. Puerto Vallarta, 16h30. Ça va. On a encore une heure devant nous. C'est pour monsieur Langlumé, le chef comptable. Je lui ai écrit amitié d'Acapulco. Ils vont crever. Voyons qui j'ai oublié. Cette porte qui a resté bloquée à Orly. Oui. Ça vous étonne pas? Si. Mademoiselle Martin. Elle est gentille, mademoiselle Martin. C'est elle qui m'a ramassé quand je me suis électrocuté. Vous vous êtes électrocuté? Oui, au bureau. En branchant la machine à café. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café, du jus, du courant. Bon. Je vais me laver les mains, je reviens tout de suite. La dame des lavabos. Je lui donne un franc, elle en veut pas. Elle veut de l'argent mexicain. Elle me dit pesos, pesos. Je lui dis, mais j'en ai pas de pesos. Alors finalement, je peux vous prendre une salière, monsieur? Bien sûr. Finalement, elle a pris un franc, mais alors quelle cirque. Pesos. Comme ça? Non, non, pour rien. Ton sel et ses œufs. Quelles sont vos intentions maintenant, Perrin? Comment? On sera à Puerto Vallarta en début d'après-midi. Vous êtes censé reprendre une enquête. Vous avez un plan? Je compte procéder d'une manière très classique. Ah oui? Et c'est quoi la manière très classique? Eh bien, on s'infiltre dans le milieu, on recueille des renseignements. Le milieu? Ouais, la pègre, quoi. Oh, pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai traversé ce foutu pays dans tous les sens pendant plus d'un mois. J'ai jamais rien trouvé, Perrin. Mais je suis là, maintenant. Je ne voudrais pas vous décourager, mais elle a disparu depuis 42 jours. Et on n'a pas la moindre piste. Alors, je ne vois pas comment. Vous m'écoutez, Perrin? Oui, oui. Elles sont pas mal, les filles, dans ce pays. Aïe. Oh, merde. Tout le monde vous regarde, c'est fini, cirque. Quoi, c'est fini, cirque? J'ai une hémorragie, il faut bien faire quelque chose. Arrêtez vos clowneries, allez à l'infirmerie.